Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer la différence qu'il y a entre la magie et le mentalisme, c'est-à-dire entre la manipulation physique et la manipulation mentale. Si je voulais retourner une carte secrètement dans un jeu, je pourrais le faire de plusieurs façons. Et pour commencer, je vais utiliser la méthode avec 4 dames, la méthode physique. Mm-hmm. Brigitte, bonjour. Pascal. Je vais te demander de me nommer, déjà de penser et de me nommer une de ces dames. Oui, c'est bien. Tu peux le nommer. Alors, c'est la dame de cœur. Très bien, dame de cœur. Alors, ce que je me propose de faire, c'est de retourner secrètement la dame de cœur. Mm-hmm. Ça te va ? Ça me va. Ok. Petit geste magique. On y va. Et tu vas pas me croire. Tu m'as dit la dame de cœur. Dame de cœur. Non. La carte vient de se retourner. Je le montre. Dans le paquet. C'était bien. Ça t'a plu ? Carrément. Alors là, c'était la méthode physique. D'accord. Pour ce qui concerne la manipulation mentale, en revanche, là, j'ai utilisé mes pouvoirs mentaux. Mm-hmm. C'est-à-dire mes pouvoirs psychiques. Afin de connaître à l'avance la carte que tu choisirais mentalement. Mmh. Et là, dans ce paquet, oui. Pour la démonstration, j'ai retourné une carte à l'avance. D'accord. Si on regarde, une seule carte est retournée. Ma carte, en plus. Incroyable. La dame de cœur. C'était bien ça, la dame de cœur ? Oui, oui. Alors, je sais que certaines personnes vont penser que j'ai utilisé la manipulation physique pour retourner cette carte. Alors, je vais vous prouver l'impossibilité de ces dires. Car cette carte, figurez-vous, la dame de cœur que tu as choisie est unique. Oui. Oui, elle est différente parce qu'elle a un dos différent. J'avoue. Et le plus intriguant dans cette histoire, c'est que les autres cartes sont des jokers. C'est bluffant, je vous assure. Très, très bluffant. Mais je me pose une question, qu'est-ce qu'il y a au milieu des dames ? Justement, mes amis, j'ai une bien meilleure explication à vous offrir. Et si tout ceci n'était qu'une illusion ? Franchement, bravo. Ah, j'adore, c'est surprenant, c'est incroyable. Merci. Je vous dis à bientôt, et le tour de magie que vous avez vu s'appelle Mega Wave, du livre Impact by John Bannon. À bientôt. Au revoir.